Bonjour les amis, salut. bienvenue pour un nouveau vlog de Californie. Le motel, on va visiter les studios de la Warner aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, il est en train de chercher le chat de l'hôtel. Hôtel Sakura, c'est Sakura jusqu'au bout. Il est en train de chercher le chat. Du coup, ben, je vous filmerai à l'entrée, mais normalement, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur des studios. Donc ce matin, pour vous, ce sera un peu moins intéressant que pour nous, parce que du coup, il y aura des photos, mais il n'y aura pas de vidéo. Oui, voilà, on fera des photos, mais au moins... Mais voilà, je vous reprends à l'entrée, et après, on verra ce qu'on peut faire dedans. Nous sommes garés au parking niveau Bugs Bunny. 15$ le parking ici. Hein. Le temps de la visite qui dure à peu près 3 heures. C'est pas donné, je trouve. Tout dans les poches du lapin. C'est pas la souris, c'est toi. C'est le lapin. Au cas où tu oublies ton numéro d'étage dans le parking, il y a les personnages associés. Donc nous y sommes au mythique studio Warner. Regardez l'entrée, elle est cool. Non, c'est trop pêché. Non mais c'est pas grave, je suis pas pressée, monsieur. Donc Warner Bros. Entertainment Inc. est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution du monde du cinéma et de la télévision. Vous connaissez tous Harry Potter, Batman, Friends, The Big Bang Theory, pour n'en citer qu'une minuscule liste. Waouh. Le trophée du tournoi des trois sorciers. Elle a été fondée en 1923, le 4 avril, par les frères Warner, Albert, Harry, Jack et Sam. Malheureusement, on ne peut pas filmer pendant cette visite de 3 heures, qui se compose d'une visite guidée d'une heure et d'une visite type de 2 heures. Mais on vous met quelques photos et on vous raconte juste après. On m'a payé 70$ par adulte pour la visite des studios. Là, on n'est pas encore officiellement rentré dans le tour. On a juste dû prouver qu'on avait des billets. Donc voilà, ça c'est ce qui se présente avant le tour guidé. La guitare de Phoebe dans Friends. Les maquettes, c'est génial. C'est l'heure des anneaux. Là ils sont en travaux parce qu'ils sont en train de préparer cette rue pour tourner un épisode de Young Sheldon. Shameless and it's become a restaurant in Chicago called Patsy Pie in Chicago. And you can see from here this facade is going to be used like the entrance of the school in Philadelphia. For the TV show Abbott Elementary School. This little patch of grass, they use it many times in France. Also, later on,
At the end of the tour, there is a shuttle that's going to bring you here, so you'll be able to take a nice picture near the French fountain, because the fountain is original, but not the coach over there. So this street, it's another backlot set called the French Street, because we did a classic movie in 1942, Casablanca. And all the side become like we are in Paris in 1942. So we're going to visit this backlot set called the Midwest, nicknamed any USA town. So we film so much here like we are in Philadelphia, Pennsylvania, Chicago, New York, Alabama, even San Francisco. This facade, it's replica from the TV show The Fuller House, because the real house still existed in San Francisco. This facade on the left was used a long time ago in the TV show Pretty Little Liars, and it's become the entrance of the high school called Rosewood High School in Pennsylvania. But way before was used in classic movie with James Dean called Rebel Without Cause. And it became police station in Los Angeles. So as we enter this backlot set, we're going to see a short video to give you an idea how it changed during the filming, because now it's empty. Let's see that. Midwest Street was turned into River City, Iowa for the film version of the Broadway musical The Music Man. The town square also stood in as Salinas, California for East of Eden. And those are the same storefront facades that were used as the backdrop for this scene from... C'est une église qui était dans plein de films, dont En Orbite avec Eddie Murphy. Là-bas, on a vu plein de maisons qui étaient dans des épisodes de Friends. Bon, celle-là d'ailleurs. Ça, c'est le Gazebo de Gilmore Girls. Come on, let's rally, let's go! Je suis en centre à part dans Friends. C'est ici, mais genre, il y a trois arbres. C'est un truc de dingue, ces arbres un peu. Parce que la perspective fait... Everything was inside here. Ils ont tourné tout Lucifer là-dedans. Le luxe. Voilà, toutes les parties intérieures de la salle. This is where the artist can create any kind of decoration, like the fake brick, fake stone, and everything you can imagine. Tous les décors, hein. The metal shop is where anything made from steel, aluminum, or tin is constructed. The staff department contains over 60,000 architectural molds and is where we make fake brick, rock, and stone walls for film and television. The design studio underneath us has large-scale printers that allow us to print billboards for marketing and backdrops for productions, while graphic artists design signs and imagery here. On an average day, there are 200 to 300 people here at the mill. All right, so this is where the artist can create any decoration you will see, like fake brick, fake stone, fake kitchen, fake bedroom, anything you can imagine will be created here in this shop. Ça tourne tout le temps. Hein. So today it's Sunday, of course, it's quiet, but during the week there is at least 300 people working in this shop. Aujourd'hui, comme on est dimanche, c'est super calme, mais sinon il y a 300 personnes qui travaillent ici. Ah ouais. C'est la série dans laquelle on était tout à l'heure. On n'a pas eu le droit de filmer à l'intérieur des plateaux de tournage. So we exit this shop, and I could see on the left there is real gas station, special for these big trucks. Ils ont leur propre station. We can use it, and it's only for these big trucks to get their gas.
From here, when it's always beautiful, we can see the top of the castle Harry Potter in Universal Studio. Can see it further. So they have the castle over there, but under license from Warner Brothers. Because Warner Brothers is the owner of the movie Harry Potter. Oh, Poudlard. Après, demain, on va y aller en vrai. Oui. On verra beaucoup enfin, plus près. On l'a déjà vu. On verra beaucoup plus près. Oui, mais celui-là, du coup. And we're going to drive next to the prop house. This is where the producer and the artist, they can be able to rent any object they need. Like the fake park meter, fake street light, fake sign you can see on the corner. Tout ce dont ils ont besoin pour décorer leur plateau. Voilà, il y a plein de feux de circulation, des lampadaires. Le gigantesque bâtiment là derrière, c'est une piscine immense où ils filment toutes les scènes en pleine mer. Et là, ils ont leur propre caserne de pompiers. So we're going to stop by next to the stage 16 because there is a souvenir plaque that shows you a long list of famous movies like Jurassic Park, Indiana Jones, The Goonies, The Dark Knight, and Night Inception, Ocean 13, and much more. Oui, c'est tout ce qu'ils ont filmé là-dedans parce qu'ils avaient besoin de la mer, quoi. Bye. So I'm gonna stop by a few minutes here. If you're interested, you can take nice pictures. Regardez, ils sont en train de tourner Young Sheldon. Et là, il y a la plaque avec tous les films qui ont été filmés. Toutes les grosses productions. La visite guidée, elle a terminé. Maintenant, c'est une visite de nous-mêmes. Et on peut même consommer à Central Perk. Tu veux ? Oui. On n'a pas pris de café ce matin. On n'a pas eu le temps, finalement. Donc, comme ça... C'est juste la partie là-bas où il y a les costumes et toutes les choses à voir, à visiter. Où on n'a pas le droit de ramener de nourriture, seulement des bouteilles d'eau. Ouais. C'est décoré pour Noël, c'est génial. C'est trop beau. C'est trop cool. On va se prendre un petit truc à Central Perk. Voilà, Central Perk en train de prendre le petit-déj. On a pris des bagel cheese. Des bagel cheese, des cheese bagels du coup toastés avec du cream cheese à rajouter dedans. Et moi j'ai pris un pumpkin spice latte chaud. Kevin un cappuccino. Regardez, c'est trop cool. Il est bon du coup le bagel. Oh, il est bon. En plus, on a même la musique qui va avec. Hein. C'est génial, il y a même la boîte aux lettres. Vas-y. Je vais pas piquer une pomme. Elles ont pas l'air très comestibles. Hein. Je fais des photos en même temps. Hein. Trop bien. Voir des détails.
c'est excellent. Ça, c'est la partie visite individuelle. Est-ce que vous connaissez ce film ? Jack Frost, quand le père, il se transforme en bonhomme de neige. J'adorais quand j'étais gamine. C'est la deuxième fois dans le séjour que la GoPro elle nous lâche complètement. Ouais, mais des petits soucis, je sais pas trop ce qui se passe. Mais elle plante complet et on peut plus rien faire. Comme un téléphone quand il est trop chaud. On n'arrive pas à la redémarrer, on n'arrive rien faire. Il faut attendre une bonne vingtaine de minutes pour qu'on puisse faire un petit peu quelque chose, la remettre à zéro en fait. Et franchement, c'est fatigant, ça cause des accès de panique là. J'ai toujours peur qu'elle se rallume. Mais plus non, du tout. Moi je te dis, c'est comme un téléphone, faut lui laisser un peu le c'est... temps. Parce que c'est pas fiable comme matos. Non, mais je pense que c'est tout le temps de faire avant de. Appuyer, hop, stop, appuyer, stop. Tu sais, des fois, ça plante. Hein. En tout cas, vous n'avez pas loupé grand-chose là pour l'instant parce que c'est la deuxième salle et on peut prendre des photos dans les décors. Ça, par contre, c'est trop bien. Donc, on traîne de ouf hein. pour pouvoir filmer du coup, vu que ça marchait pas. Ça, c'est tous les costumes de My Fair Lady, les films de gangsters. Mais en fait, ce que j'attendais, c'était ça. Moi, je suis hyper fan de The Big Bang Theory. Mais hyper fan. Et regardez, on peut se prendre dans les décors, c'est trop bien. Ah, c'est génial, je suis comme une gosse. C'est trop, trop, trop bien. C'est génial. Même toi, tu trouves que c'est génial alors que t'es pas fan de la série. Mais non, mais les décors, parce que du coup, je suppose que c'est quand même les vrais décors de plateau. Moi, je suis à fond. Hein. C'est les vrais décors de plateau qu'ils ont dépassé ici mais pour qu'on se prenne en photo. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Toi aussi, tu veux faire genre tu montes l'escalier alors que ton que l'ascenseur il marche pas. Carrément. On va faire des photos là, j'ai trop envie. La Batmobile. Qu'est-ce qu'il a vu lui? Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que regarde, tu peux aller sur le balai. Ah oui, je savais. En fait, c'est fait pareil que au studio Harry Potter de Londres. Ils vont prendre tout notre argent. Voilà, tu veux te prendre en photo ici? En plus, avec le vent dans les cheveux et tout. Ouais, non, mais regarde, il y a tout. Il y a la moto de Batman aussi. On est foutu. Là on est mort parce que ça je sais qu'on va l'acheter donc. Si tu peux choisir le nombre de sets que tu veux. Bah moi c'est Harry Potter hein. Les autres c'est moins grave. Oui on va faire Harry Potter. Ouais. Les autres ça m'intéresse moins. Regarde, en fait, c'est, des c'est hyper cool hein. C'est mais ça m'intéresse moins. On a acheté les photos. On va voir les digitales aussi, donc on vous montrera ça. Je garde tous les prix pour le hall, parce que là on a dépensé 85,43 $ pour 4 photos. Du coup, 2 Big Bang Theory, une Friends et une Harry Potter de Kevin sur le balai. Faut qu'on attende de récupérer les prix. Les studios de doublage. On peut essayer de faire du doublage. Hein. On va tester. Si tu veux. Mais tu parles pas un mot d'anglais, ça va être sympa. Depuis le temps que je te dis d'apprendre. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Tu fais les deux. Oh, one lady. Ah non, je fais juste Harry. Looks like you got one too. I've got presents. Yeah. Mais pourquoi il parle lui? C'est moi qui dois faire la voix. Ah mais en fait, c'était pour te dire. Ah voilà, ça y est. Là tu le fais. Là tu le fais. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, Mum made it. Looks like you got one too. I've got presents? Yeah.
Oui, j'ai des cadeaux de Noël. Il m'a enregistré en plus. Et je le fais bien, hein. Ah, putain, tu tiens bien les notes, hein. Eh, hey, mais je pourrais doubler Harry Potter. Je trouve que ma voix, elle va bien avec le truc, hein. Tu veux doubler Friends, toi? Non, y'a pas. On a trouvé Dobby. Là-bas, c'est la partie qu'on va préférer, je le sens. Là, il y a du DC, du Game of Thrones. Regardez, là-bas, il y a le portail d'Arkham avec les costumes. Costume du Joker. Stylo à la production. Waouh. Harry Potter dédicace. Donc là, c'est la Batmobile avec le costume. Le tout dernier Batman de Robert Pattinson. Et là, Wonder Woman. Costume qui a été porté par Gal Gadot dans le film. C'est impressionnant. Regarde tous les costumes là-bas. C'est fou. La Justice League. Ça doit quand même peser un certain poids de porter ça. Hein. Oh, génial. C'est bien parce qu'ils ont fait des mannequins avec les visages des acteurs. C'est excellent. Waouh. Ça donne envie de toucher pour... voir un petit peu la matière que c'est. C'est vraiment impressionnant. Ouais, cette partie d'ici, elle est incroyable. Meilleur Batmobile. Le Batwing, mais c'est génial, il est énorme. Et le Batpod. C'est incroyable. C'est trop bien, on a vraiment l'impression d'y être. Quoi. C'est génial. Il y a le costume de Batman avec ses armes. Allez, notre partie préférée, The Wizarding World. La foire d'Anguilla, c'est trop bien.
peux dormir dans l'escalier. D'ailleurs, je l'ai reçu à mon anniversaire, on l'a pas encore accroché au plafond. Mais je l'ai reçu avec Harry et Ron. La vraie carte du maraudeur, oh là là. Incroyable. Chérie. La vraie carte du maraudeur, trop bien. Oh regarde, il y a les escaliers en profondeur et tout, c'est trop bien. Oh, elle est mieux que celle qu'on a à la maison. C'est la vraie carte du maraudeur, celle-là. Et pourtant, celle de la maison, elle est déjà très chère. Oh là là, mais le rêve, c'est trop bien. On peut dormir dans le placard sous l'escalier, c'est trop bien. On peut dormir dans le placard, c'est trop bien. Je vais y aller. Oh, c'est génial. Et là-bas, il y a trop beau. On va faire plein de photos. Regarde, il y a les photos de bébés, de Dudley et tout. C'est trop bien. Oh, c'est génial. Excellent. Je monte l'intérieur de la chambre de Harry. Il y a tous les détails, c'est dingue. De botanique dans la serre. Il y a le choix quoi. Tu veux le faire ou pas? Vas-y. Ah oui. There's nothing in your head. Ah bah voilà. Sorting hat can't see. So try me on. Je te connais. I will tell you where you ought to be. Conscientious and hardworking. A great thing to be. C'est pas bon non plus. Hufflepuff. Ah bon? Sérieux? Hey. For you. Oui, c'était juste. Bien. Congratulations. Félicitations, tu es un pouf souffle. Va sortir une grande rigueur. Donne-moi ton sac. Vas-y, déterre-la. Bouge-toi bien les oreilles. C'est génial. C'est génial. On va faire un cours de potion? Ouais. Waouh. C'est dingue. J'ai l'impression d'être dans Hogwarts Legacy là. Prépare-nous un polynectar aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as mis dedans là? Je sais pas. Non, parce que vous n'avez pas fait. Ah, c'est ça. Je vais mettre des tentacules. C'est trop bien. T'as vu? Ça change de couleur. Selon les ingrédients que tu mets, ouais, ça change. On vient de prendre un cours de sortilège. On a fait des mouvements, on a lancé des sorts avec la baguette, c'était génial. Franchement, c'était trop bien, on a bien géré. Hein. Waouh. Trop bien les animaux fantastiques. C'est trop beau. Là, on est dans la valise. Les commentaires s'il y a d'autres fans de Ted Lasso ici, parce que nous on est genre hyper fans et il y a plein de produits là, c'est trop bien. Il y a la fiche de livre et il y a les biscuits de Ted Lasso. Là moi je trouve que oh c'est trop bien. J'avoue.
J'avoue, c'est cool. Oh là là, même le Monopoly. Mais c'est génial. Allez, chérie, le maillot. Oui, le maillot, mais c'est trop bien. Bah quoi? Il y a Candyland du vieux Charlie et Chocolat. Ça sent la bougie, elle ose me dire. Ça sent le chocolat. Ah, ça sent le chocolat qui pue. Ça sent pas le bon chocolat, ça sent le chocolat qui sent mauvais. Ouais, et cette fois promis, hein, Kevin, j'ai fait promettre, c'est bon, hein. Un haul ce coup-ci. Hein. Regardez. $118. Il y a $15 pour moi dans le pack. C'est tout. Quoi? Tellement sage pendant ces vacances, mais tellement sage. On va se prendre en photo là. Et après on va bouger parce que nous, à chaque fois on nous largue dans un magasin, on reste 30 ans. Limite on passe plus de temps au magasin qu'à la visite. On est de retour au parking. Mm-hmm. Franchement, on a pratiquement tout pu vous filmer. Ouais. Je m'y attendais pas. C'était vraiment. C'était sympa, contrairement à ce qu'il y avait marqué sur internet. C'est, en fait, ce on qui avait pu pas, filmer pratiquement tout. Ce qui avait pas le droit de filmer, c'était les zones de tournage où ils sont actuellement. Oui, en train là où de ils tourner, étaient en train de tourner. Ils sont actuellement en train de tourner. Du mais coup, sinon, fallait pas filmer. Génial. Et c'était vraiment cool. Hein. On a passé un super bon moment. C'est franchement, bah, ça vaut le prix. Ouais. Parce que c'est un truc intéressant à faire au moins une fois. Bon, bien sûr, après, il faut en sorte que tu dépenses encore. Oui, hein, c'est la sûr. Preuve, hein, nous, on a bien dépensé. Parce mais que... c'est très interactif. Ouais. Hein. Et quand vous aimez les séries, ça vaut le coup, franchement. Parce que c'est très axé sur les séries quand même par rapport au film. Oui, beaucoup les sitcoms, les. C'est beaucoup la télévision. Ouais. C'est bon, bah... rarement. Fin... Sauf après la partie où là on était à la fin avec tous les costumes et tout, où là c'était les gros blockbusters. Sinon, la grosse majorité de la visite, ouais, c'est surtout les sitcoms qu'ils ont fait. Et les qui films sont classiques. Courts, qui sont. Mm-hmm. Non, on va essayer d'aller trouver une petite place devant les studios Disney, oui, juste histoire essayer, de prendre 2-3 photos. On va essayer, ouais. Et voilà. Après, on va aller au Griffith. Faire un petit tour, pas très 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 non, longtemps, pas très, mais très très longtemps. Mais bah non, on va essayer de voir le carrousel, ouais. Ouais. Ok. À tout de suite.